gauche, Benoît. Oh, remets-toi en place, non. Retourne mon cul aussi. Hé, tu te tiens à côté de moi, par terre. Attends, t'as bien fait tomber le pouce, t'as Attends, t'as fait tomber le pouce, c'est bon, j'ai mal au bras, c'est comme je sais pas quoi. Un acteur peut faire un film en rentrant à l'hôtel tous les soirs, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. Ou ça dépend ce qu'on lui demande, ou ça dépend ce qu'il va faire. Mais ce qu'ils réussissent à faire à la fin, l'épuisement, la fatigue, ils ne peuvent pas le jouer. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas jouer. Donc la fatigue, l'épuisement, ben, il est sur leur visage, parce que tous les soirs, ils dormaient dans une tente, sans électricité, etc., bien sûr. Dans le scénario, ils traversent le désert et ils arrivent dans un camp, puis ils sont envoyés en mission. Mais quand je suis arrivé au montage et que j'ai vu les images de guerre la première fois, bah, la guerre avait pris un sacré coup. Les tanks, tout ça, j'avais viré, quoi. C'est qu'on arrivait, j'avais viré les tanks, j'avais viré tous les chevaux, tout ça, ça n'existait plus. Et aujourd'hui, j'ai remonté le film en changeant le scénario. Donc j'ai réécrit, finalement. J'ai mis beaucoup de temps dans ma tête à pouvoir le faire, quoi. Les tanks, tout ça, j'avais viré, quoi. Et finalement, ils sont venus. Les chevaux sont venus, mais pas dans le même ordre. Et pour sortir de cet ordre, eh ben, j'ai dû d'abord y renoncer. Et ça me faisait mal au ventre. Ça me fait mal au ventre de demander de peindre trois chars et de pas les montrer. Mais en même temps... S'il ne faut pas les montrer, il ne faut pas les montrer. Il y a plein de scènes que j'ai jetées parce qu'elles sont nulles au jeu, elles sont nulles au cadre, aux effets spéciaux. Par exemple, ce qu'on avait tourné dans le canyon avec le passage d'un drone, tout ça, c'est une catastrophe. Donc quand c'est catastrophique, eh ben, je jette. Les drones, en fait, je m'en fous. Donc j'ai viré tous les drones. Il n'y a plus un drone et il n'y a plus la séquence du canyon. Parce que si je vais monter ça, si c'était écrit obligatoire, eh ben j'aurais une séquence moyenne au jeu des acteurs. Et moi, une séquence moyenne, ben je ne supporte pas de la voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le scénario, il serve simplement à faire sortir des personnages, un décor, etc. Et puis c'est tout, quoi. C'est le... Moi, j'aime bien le rapport avec l'interprète, donc j'aime bien le... Les contraintes, les accidents, ça me plaît et ça me pose pas de problème que c'est pas écrit dans le scénario, quoi. C'est pas une difficulté pour moi. Action. On l'a pas revu, on l'a plus vu. C'est parti. 3-3.